Arrêtez! Faut 10 personnes parce que si on croise des policiers. Pour? Salut, c'est Johan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous voyez dans le titre, je me suis donné comme challenge de faire du foot freestyle sur le toit de ma voiture pendant qu'elle roule. Donc, je vous emmène avec moi pour ce petit challenge. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que tu fais? J'ai les intros des gens. Tu veux expliquer pourquoi t'es là? Je sais pas pourquoi je suis là. Ah! Tu m'as dit viens à faire du freestyle sur la voiture et tout. Moi je suis là du coup, hein, parce que t'accompagnes dans tes bêtises. Maintenant, on va essayer de trouver un spot où il n'y a pas trop de monde. On va essayer de trouver un spot qui est pas en pente, parce que sinon je vais tomber du toit et si je tombe du toit, c'est pas ouf. Non, mais en vrai, ça ferait on des vues par contre. Une pente. Ça ferait des vues de ouf. Ouais, après tu serais pas. Tu profiterais pas du buzz que t'as eu quoi, parce que tu t'es. C'est vrai. Non, par contre, il faut vraiment que je trouve une route où il n'y a pas grand monde. Il va me rentrer dedans? Non, c'est bon. Il faut vraiment trouver une route où il n'y a pas grand monde, parce que moi je vais être sur le toit. Et en même temps, il y a le drone qui va me filmer en stationnaire. Du coup, faut qu'il y ait personne, parce que si on croise des gens ou des policiers, ça craint. Exactement. On va prendre zéro risque. Ne faites surtout pas ça chez vous d'ailleurs, je le redis. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis une première fois. C'est la police. On va essayer de s'écarter un peu d'ici. On vient de trouver une ligne droite. Mais il y a quand même un peu de passage. On cherche autre chose ou est-ce qu'on tente là? Moi je pense qu'il y a quand même pas mal de passages. Ouais, la 8ème voiture en ça, une minute. Ça arrive un peu vite quoi. Genre il y a des voitures, elles arrivent à 90 là. Peut-être pas la meilleure idée. Du coup, là on va retourner vers chez nous parce qu'on connaît un petit chemin sur lequel on va faire des photos des fois où il n'y a personne. On n'en a pas pensé au début. On n'est pas très malin. Bon, on vient d'arriver sur le chemin et il s'est remis à pleuvoir. C'est vraiment la merde. Bon bref, du coup, on va quand même essayer juste sans ballon pour voir si déjà je peux tenir sur le toit dans cette pente. Vu qu'il y a quand même une légère pente. Oh merde, qu'est-ce que ça va donner? Non, c'est bon, stop, stop. Ça, elle maîtrise un peu quand même. Hein. Elle vient juste de caler. Oh putain, ça s'annonce incroyable. Bon, du coup, on va tester. Doucement. Arrêtez. C'est vraiment flippant en fait. Non mais c'est. Eh, quand t'as accéléré, par contre, j'ai vraiment cru que j'allais tomber parce que j'étais en train de descendre. Hein. C'est vrai. J'ai vraiment failli tomber. Hein. Oh, mais ce bruit que ça fait. C'est bon. Du coup, je vais tester avec le ballon. J'avoue que là, ça me met un peu la pression quand même parce que je sais pas ce que ça va donner. On est en train de faire chier tout le monde. Désolé monsieur. Bon, je pense que c'est vraiment faisable en fait. Hein. Je suis assez content, maintenant on va essayer avec le drone. Cette conductrice de l'extrême, incroyable. On va mettre en place le drone. On va essayer de le mettre, je pense, derrière les arbres là, pas trop haut. Et espérons qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive. C'est parti. Oh yeah. Yes. Là. Tu penses que là, attends, au niveau de la hauteur, on est comment là? Pas mal là. J'ai vraiment peur. Hein. Pourquoi t'as attends, peur? Attends, genre si la voiture elle passe en dessous, je vais pas le taper. Non, mais pas du tout là. Vraiment. Je te laisse ça. Je le laisse juste à côté de siège conducteur. Non, mais siège passager. Et genre, non, mais vraiment, faut juste que tu le touches pas. Absolument pas ce que ça va donner. Je me suis cogné, on n'a rien vu. Troisième tentative.
Ok, donc là on va tenter un autre truc. Je vais me mettre en vue vraiment filmé vers le bas. On va faire le même plan, mais filmé différemment. Galère de ouf. Genre c'est stressant parce qu'il faut se concentrer sur tout à la fois. S'il n'y a pas des voitures, si le drone il se fait pas avoir par le vent, il va pas toucher une branche. Il faut faire gaffe aux autres voitures. Il faut que je réussisse sur la voiture. Bref, c'était vraiment très très dur. J'espère que ça a donné quelque chose. Je vais essayer de faire un petit montage de ça et je le mettrai tout de suite. Et deux jours après le tournage de la séquence que vous venez de voir, après avoir fait le montage, clairement j'étais pas du tout satisfait des images. Je trouvais ça un peu claqué, que ça rendait pas bien, c'était pas impressionnant, c'était même pas beau. Donc j'ai décidé de le refaire. Donc on l'a refait tout à l'heure, encore avec Johanna qui fait du bruit. Il y a aussi un pote qui est venu, donc François, qui fait des clips de rap sur Lyon. Et il nous a aidé un peu à faire des plans drones assez beaux. Normalement ça va rendre beaucoup mieux. J'espère qu'on n'a pas fait ça pour rien. Et il nous est arrivé quelques galères aussi. Oui. Oui. Ben, c'est autorisé. Au final, on est allé ailleurs et on a pu enfin retourner ces plans drones. Donc je vous mets tout de suite le petit montage que j'ai fait avec ces plans et j'espère que vous allez kiffer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez kiffé du coup les plans qu'on a retournés, c'était vraiment marrant à faire en tout cas. Si vous avez des autres idées de défis un peu débiles comme celui-ci, qui rendent des belles vidéos quand même, le but c'est quand même qu'il y ait une belle vidéo à la fin, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye.